Dernière des sept enfants d'une famille de marchands de soie, elle est née à Lyon le 22 juillet 1799. Enfant, elle mène une vie insouciante dans un milieu très croyant et aisé. Elle aime la vie, les belles robes, les romans, puis les bals. À l'âge de 17 ans, après un sermon de l'abbé Wurtz, elle abandonne toute vanité et se convertit. Le jeune abbé Wurtz prêche sur la vanité. Ce sermon sur la vanité va toucher Pauline Jaricot. Et il va se passer un genre de conversion intérieure. À partir de ce jour, de ce dimanche des Rameaux, Pauline va décider d'abandonner cette vie mondaine qui n'est pas une vie exagérée, mais qui est celle du milieu dans lequel elle vit, et de se consacrer totalement à Dieu. Pauline Jaricot était issue d'une famille aisée, mais dont les origines étaient modestes. Elle ne l'oubliera pas. Injustice, humiliation, manque de dignité étaient pour elle des enjeux majeurs que le chrétien se devait d'affronter. La charité ne pouvait y suffire. Il ne fallait pas seulement donner aux pauvres, mais améliorer les conditions de la classe ouvrière. À mesure que l'industrie s'exerce à remplacer les bras de l'homme par des machines, l'ouvrier vertueux qui pouvait faire des économies pour l'avenir ne connaît aujourd'hui que la gêne. Je cherche devant Dieu le moyen de remédier au découragement, à l'immoralité et à l'exaspération qui se manifeste de plus en plus dans les masses. Le 3 mai 1822, c'est la fondation de la propagation de la foi. L'idée de Pauline est simple: constituer des groupes de 10 personnes dont chacune s'engagerait à former un nouveau groupe de 10. À tous les échelons, chaque membre aura l'obligation de réciter une prière quotidienne et de faire une offrande hebdomadaire pour les missions. L'enthousiasme de Pauline est communicatif. De 1821 à 1828, le nombre de vocations de missionnaires est multiplié par 3. Le rosaire est une prière longue et répétitive. Pour simplifier cette pratique, Pauline imagine de partager les 15 dizaines correspondant aux 15 mystères de la vie du Christ et de la Vierge. Chaque personne s'engage à réciter tous les jours un mystère qu'elle doit méditer. À la mort de Pauline en 1864, plus de 2 millions de personnes font partie du rosaire vivant. Le pape Jean-Paul II disait lui-même qu'il devait sa vocation de prêtre à l'appartenance à l'œuvre du rosaire vivant en Pologne. Aujourd'hui, l'Église a fait tout le travail qu'elle pouvait faire, puisqu'elle est vénérable, c'est-à-dire qu'on a reconnu les réussites de ses vertus, tous ses écrits ont été étudiés, il n'y a plus de questions ni théologiques qui puissent encore exister. Donc aujourd'hui, grâce à la dévotion des fidèles, nous espérons tous un miracle pour parvenir à une béatification, puis peut-être un deuxième miracle pour une canonisation.